Bonjour, bonjour, ici Sierra Bryson pour vous servir et bienvenue dans un nouvel épisode de Into the Breach. Alors, la dernière fois, on s'était arrêté sur une zone un peu compliquée. Enfin, pas forcément compliquée, mais c'était une zone qui était à réflexion, vas-y, surtout sur une unité que j'arrivais pas à tuer. Donc, on va la continuer. Voilà. Donc, pour que je tue celle-ci, il faudrait que je me mette là. Celui-là, je vais le déplacer. Et je vais faire une attaque pour faire pousser ici, ce qui bloquera l'arrivée de l'ennemi. Hop, et toi, je vais te tuer. Voilà, on a détruit le barrage, on a fait fin de tour et on va bloquer l'arrivée d'un ennemi, ce qui est toujours intéressant. Si en plus je pouvais. Ah, dommage. Alors, toi, je peux te. Toi, je vais te tuer en tapant le bâtiment. Voilà. Toi, je vais te tuer en t'écrabouillant. Voilà. Et toi, je vais te faire venir. Hop, par ici, en te mettant un bouclier. Et les unités vont venir s'agglutiner sur mes. Ah, ils vont essayer de menacer celui-là. D'accord, et d'accord. Et je suis bloqué. Pas de problème, j'ai mon attaque ici. Si je fais ça, je vais le propulser en arrière. Ça va être un peu embêtant. Je pourrais pas le tuer. Alors que si je fais. Ah non, de toute façon, là je suis gorgé d'eau. Je vais juste. Hop! M'attirer comme ceci. Toi, je vais te mettre ici et je vais. Tirer dessus. Et lui a 3 unités aussi. Je vais tirer sur lui. Hop! Voilà. Fin de tour, sachant qu'en plus j'ai un bouclier, je ne prendrai pas de dégâts. Voilà, les Vex se sont enfuis. Allez, on est là encore pour un marathon, hein, toujours. On va réussir. Alors, ces zones-là, je les aime bien, j'avoue. Défendre le soutien. Soutien d'artillerie. Non, c'est pas ce qui m'intéresse. Soutien aérien, celle-là, j'aime bien aussi. Elle est un peu compliquée parfois, mais je l'aime bien. Pour une raison toute bête, c'est que l'unité qui permet de déplacer les unités adverses peut m'être utile dans ce cas de figure. Si lui se met ici, ça serait génial. Non, mais c'est pas loin. Je ne sais plus combien de points de vie il a cet animal. Tac, tac, je vais taper le bâtiment. Voilà. Lui, je vais le faire venir. Non. Annuler. Placement. Quoi, je vais te. Hop, je vais avec lui. Et. Demande d'espace de stockage additionnel. Ah, je crois qu'il a gagné le mec. Et toi, je vais te faire venir et je vais te faire. Venir. Voilà. Fin de tour. Donc, il faut au moins 3 dégâts sur le réseau. Tant qu'à faire, je vais faire en sorte de 0. Et protéger les batteries. De toute façon, c'est. Ça fait partie des réseaux. Donc, c'est pas un problème. À côté de ça, j'aimerais bien qu'il y ait une petite capsule qui arrive. Mais bon, là, je crois que j'en demande un peu de plus. Donc, c'est une unité à 2 points de vie et une unité à 3 points de vie. Je vais encore taper les bâtiments. Ça sera toujours agréable. Et toi, je vais te faire venir ici. Voilà. C'était une mauvaise idée. Puisque, en fait, je ne peux rien faire. Pour le coup, là, je suis englué. Donc je vais perdre un point de vie. Est-ce que c'est grave, docteur? Non. Tant que je n'ai pas une deuxième attaque avec lui, je ne vais pas faire grand-chose, j'avoue. C'est cas de figure. Hop. Voilà. Donc lui est parti ici. On va aller se venger avec lance-pierre. Lui est bloqué. Et lui va se faire encore assassiner. On essaye toujours, hein, quoi qu'il arrive, lui il continue à taper dans les bâtiments. Il tape les bâtiments et ça lui fait bien. Lui il se venge. Et lui est englué. Et lui a la capacité de faire ceci. Donc, voilà, fin de tour. Le soutien aérien pour l'instant ne sert pas à grand chose, je l'avoue. Mais c'est pas trop grave. On enchaîne. Avec un peu de chance, oui, bien, j'ai pas besoin de m'en occuper. Lui va être embêtant, lui va être embêtant. Ah là par contre j'aurais pu faire quelque chose.
Mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste le faire partir de là. Et hop! Voilà. Toi, je vais te faire taper tout cela, mais avant, je bouge mon ami. Mon ami la pierre. Hop. Et maintenant, je peux faire ça. Voilà. Ça me tourne. Et normalement, là, j'ai le dernier ennemi qui meurt. Yes! Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager la vidéo. J'ai mon personnage ici qui a une promotion. Hop, on va revenir sur le menu principal pour ne pas perdre de temps puisque c'est 30 minutes in-game. Et je vous dis à la prochaine. Bye!